Nous sommes à l'ère du numérique, des outils qui nous facilitent la vie. Cependant, on s'aperçoit que les appareils, bien qu'indispensables, contiennent des dangers. Quelles sont alors les stratégies et les plans mis en place par le gouvernement togolais pour mener une lutte efficace contre ces produits? Les éléments de réponse dans ce dossier de Viviane Onsouvi et Clarisse Atiklet. Le lithium, le cadmium sont entre autres produits utilisés dans la fabrication des équipements électroniques tels que les téléphones portables, les ordinateurs, les postes téléviseurs, les appareils électroménagers. Des équipements très ancrés dans les habitudes des populations. Et pourtant, ils contiennent des produits toxiques qui affectent la santé et l'environnement, ce qui alors nécessite des actions pour épargner les populations. Le gouvernement togolais l'a si bien compris en mettant en place des plans et stratégies de lutte. Au Togo, comme de par le monde, le gouvernement a ratifié toutes les conventions internationales qui régissent la gestion des produits chimiques et des déchets dangereux. Donc c'est une première étape pour faire en sorte que tous les appuis qui existent sur le plan international, que le pays puisse bénéficier de ces appuis et pouvoir prendre des actions les plus idoines en faveur de la protection de la santé et l'environnement. Nous avons aujourd'hui un plan d'action pour gérer les polluants organiques persistants qui sont un des groupes des produits chimiques dangereux couverts par la Convention de Stockholm. Le Togo a également élaboré un profil national qui identifie tous les produits chimiques qui existent et toutes les sources de ces produits et qui fait un inventaire des capacités nationales et des faiblesses et qui propose des actions que le gouvernement doit pouvoir mener à court et à long terme pour garantir une sécurité vis-à-vis de l'exposition aux produits chimiques. Également, sur le plan réglementaire, le Togo a élaboré une loi, la loi 4 sur l'environnement, qui consacre section 9 à la gestion des produits chimiques et déchets dangereux. Pour venir à bout de cette lutte, le gouvernement, les associations et les ONG travaillent en synergie pour sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques d'utilisation de ces appareils. Quand vous prenez par exemple un téléphone qui n'est plus fonctionnel, ne le jetez pas à la poubelle, parce que c'est un déchet dangereux. Il y a des agents agréés qui les récupèrent et qui les convoient à des centres agréés pour leur recyclage. L'autre chose, c'est de faire en sorte que vous-même, vous ne dépiècez pas votre téléphone et commencez vous-même à le réparer, ne sachant pas les risques que vous courez, ne sachant pas le lieu où se trouvent ces substances et leur échappement peut vous contaminer. Parce que vous allez les inhaler, ils peuvent vous contaminer par la peau et par les mains, vous allez d'une manière inadvertante et les ingérer en mangeant. À travers ces sensibilisations, le gouvernement et ses partenaires entendent amener les fabricants et les utilisateurs à une prise de conscience.